Eh bien, bonjour à tous, c'est Savile Jamal et bienvenue, très chers amis, dans un nouvel épisode de Spécial Gina en Dévastation. Alors, très chers amis, comme vous le voyez, il y a différentes choses qui ont changé sur ma base. Déjà, avant même de vous parler de ce truc bleu qui est très important, voyons d'abord par ici. Comme vous le voyez, j'ai fait en sorte que la pierre récupérée par l'Edril soit remise ici. Alors vous allez me dire, ouais mais Willy, pourquoi? Pourquoi? Il s'avère qu'un vaisseau de Bibiflox m'a attaqué. Je me suis défendu, forcément, avec ma petite meuleuse, qui va bien. Le vaisseau s'est cassé la gueule, et en se cassant la gueule, cette saloperie de vaisseau, il a fait un cratère. Mais quand je vous dis un cratère, c'est pas un petit, c'est un gigantesque. Ce qui fait que là, en fait, j'ai mis une drille, et en fait, j'essaie de reboucher le trou comme je peux. C'est pas forcément évident, mais j'essaye. J'essaye, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, les gars. Mais il faut savoir que ça vient d'un mode qui s'appelle Critical Reactor Explosion. Ce mode, en fait, aléatoirement, hein, donc un petit peu quand il veut, va faire des explosions démentielles en fonction de ce que ce drone a comme puissance, à savoir en fonction de ce qu'il a comme réacteur, comme uranium, pardon, dans les réacteurs, ou en fonction de ce qu'il a comme batterie, etc. Donc voilà, c'est un mode plutôt sympa, mais en soi, je m'attendais pas à ce qu'il me fasse une giga-explosion comme ça. C'est rare de le voir en action, ce mode, mais quand il est en action, c'est spectaculaire. Donc voilà, c'est plutôt chouette, et sachez que pour le coup, cette micro-installation à la con est contrôlée par ça. Vous savez, le contrôle de tourelle personnalisé. Avec un siège, en fait, je peux me permettre d'aligner la zone relativement parfaitement, de manière à ce que ça rebouche uniquement ce que je veux. Sauf que bon, c'est ultra long parce que bah, il n'y a qu'une seule drill. Donc forcément, voilà. Il n'est pas impossible que. J'ai toujours le blueprint à des 75 drills. Il n'est pas impossible que les 75 drills, donc qu'il y en ait d'autres, à savoir 75 autres, qui élisent domicile ici, uniquement pour réparer les trous. Je dis pas que je vais le faire, mais en soi, ça pourrait être une petite idée quand même. On va quand même pas se mentir. Alors, aussi, vous voyez que là, actuellement, je suis en train de creuser en bas, en ce qui concerne la zone. Alors oui, ça c'était un petit test que je me suis mis à faire. Donc, je suis en train de creuser en bas. Pourquoi? Parce que, bah forcément, la salle des éoliennes va s'étendre. Mais au lieu qu'elle s'étende par le haut, bah en fait, elle va s'étendre simplement par le bas. Voilà, j'ai fait des tests avec le gros trou que vous voyez là, hein. J'ai installé une ogive et puis boum. Et pour le coup, les éoliennes fonctionnent sous la surface de la glace, à savoir sous le point zéro. Il faut savoir que la glace qui est ici, ça représente un petit peu le niveau de la mer dans la vie réelle. Autrement dit, donc creuser en dessous, on m'avait dit que les éoliennes ne fonctionnaient pas, alors qu'en vérité, si, ça a l'air. Alors, est-ce que ça a une distance infinie? Est-ce que ça produira autant que celles qui sont au-dessus du niveau de la glace? J'en sais strictement rien. On verra ce qu'il en est. Mais bon, pour ma part, il faut que je teste quand même, parce que sinon on n'est pas rendu. Et au passage, ça me donne toujours plus de glace, ce qui est plutôt sympa. Alors, pour les commentaires, un commentaire qui me dit « Le mode des éoliennes empilées n'est pas si craqué que ça, et en plus c'est assez cohérent. Après tout, tu places bien des éoliennes dessus et dessous des blocs, alors pourquoi pas les empiler ?» Alors, c'est pas craqué, si, légèrement quand même, parce que pour le coup, aussi bien je pourrais mettre une éolienne là, une éolienne au-dessus, 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 au-dessus. L'idée est bonne, mais pour le coup, pas très cohérent avec l'idée que j'en ai, à savoir que déjà, les éoliennes dans la vraie vie, je suis désolé, tu les empiles pas. Alors, les éoliennes dans la vraie vie, je suis d'accord, ça ne fonctionne pas dans les montagnes. Sauf coup de bol extraordinaire, et en soi, c'est pas censé fonctionner dans les montagnes, je vous l'accorde. Mais néanmoins, je trouve ça un petit peu craqué de les empiler. Je préfère autant faire un système comme ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais Willy, ça prend de la place. La place, c'est pas ce qui manque dans la montagne. Donc vraiment, pour ça, je suis pas inquiet. En soi, comme j'ai dit, je préfère utiliser. J'essaye d'utiliser au maximum les outils de base du jeu, à savoir le système d'énergie de base, le système de raffinage de base, etc., etc. Après, évidemment, j'ai rajouté des mods, mais ça, c'est plus pour des ennemis. En soi, Acer Cariole. Viens pas me voir, toi. Un autre commentaire qui me dit ensuite pour les moteurs à hydrogène, avec le water mode, tu n'auras plus de soucis. Tu places un collecteur dans la flotte relié à des réservoirs à hydrogène et bingo, tu as une source illimitée d'hydrogène sans même devoir grinder de la glace. Alors oui, le water mode, on m'en a parlé et a priori en mettant juste un collecteur dans l'eau, ça récolte automatiquement de la glace, sans avoir à miner une quelconque zone de quoi que ce soit. Non, ça récolte uniquement de la glace, c'est tout. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, mais en soi, le water mode, je l'ai pas sur mon monde. Et le water mode est quand même relativement lourd pour le jeu. Et vu les projets que j'ai, je préfère pas le mettre. En soi, pour une saison 6, je dis pas. Mais pour la saison 5, actuellement, non, c'est pas dans mes plans. Un autre commentaire qui me dit pour le son d'alerte, non, ce n'est pas un poisson d'avril. Je le savais déjà, malheureusement, ça m'a l'air d'être un bug du jeu, un bug qui a été réglé, je pense. Ça va faire aux environs de 3 heures que je suis en live, plus ou moins. Et j'ai pas eu de son.
Jusqu'ici. Alors espérons que ça a été réglé depuis. Un autre commentaire qui me dit super épisode et content que mon commentaire t'ait aidé. J'avais eu le même souci au début de ma série, du coup je sais comment ça fonctionne. Alors oui, il me semble que ça parle des éoliennes. Mais en soi, oui, très bon commentaire qui me, somme toute, était extrêmement utile. Un autre commentaire qui me dit donc pour le son Discord, ça on a déjà vu que c'était soit une blague, soit réparé. Willy nous parle d'armes, mais il préfère brasser du vent. À quand la baston? Alors oui, brasser du vent forcément. La baston va arriver. La baston va arriver. Vous allez voir un petit peu ce que j'ai fait en dessous. Pour l'instant, rien, mais j'ai juste creusé un trou. Ne vous inquiétez pas, je vais tout construire avec vous. Un autre commentaire qui me dit Albatar ou Albator. Pauvre Antares, tes motos sont maltraitées. Absolument, absolument, les motos sont maltraitées. Pour ma part, je choisirais la tourelle autocanon, pas l'artillerie, mais l'autre, j'ai oublié le nom, à savoir la tourelle de canon d'assaut. Pour sa cadence de tir plus élevée que l'artillerie, de plus, j'en ferai plusieurs spots de tourelle, comme tu l'as prévu, mais en duo, un autocanon et une Gatling. Cette dernière a ciblé uniquement les missiles, ce qui pourrait grandement t'aider. Alors oui, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, il faut savoir que j'ai un petit peu bossé en off. Sur mon monde créatif. Et donc, je me suis amusé à faire un design de tourelle relativement sympa, de manière à ce que je puisse me faire défendre sans avoir à forcément construire un système, etc., etc. Non, tout est construit, tout est dans mes blueprints, vous verrez ça quand je le construirai. Un autre commentaire qui me dit Bonjour Willy, tu devrais faire de ton tunnel d'approvisionnement un tunnel auquel tu as accès pour te déplacer jusqu'à tes futures armes. Alors, en soi, c'est pas vraiment nécessaire. Je vous explique. Comme vous le savez, et comme je vais vous le remontrer maintenant, hop, ah oui, c'est vrai, ça rebouche. Hop, donc comme vous le voyez là, hop, donc vous voyez, j'ai commencé un petit peu à creuser. J'ai étendu le trou jusque-là, c'est pour y mettre des potentiels bulletins de repère qui pourront probablement m'aider. Alors, c'est pas vraiment nécessaire en soi, ce trou-là, je pense le reboucher parce qu'une fois que les armes seront posées sur la glace, bah, il n'y aura plus besoin d'y toucher. Les armes, je leur ai inclus un projecteur qui va permettre de les auto-réparer si jamais. Donc pour le coup, les armes, j'aurai plus besoin du tout d'y toucher. Et étant donné que les convoyeurs seront sous la pierre, en l'occurrence sous la glace, bah pour le coup, je suis pas vraiment inquiet au niveau des retombées, même si jamais ça vient à creuser, normalement, ça devrait être protégé. Un autre commentaire qui me dit Bonjour Willy, tu devrais faire ton tunnel de. Non, bah ça je l'ai déjà lu. Et un dernier commentaire qui me dit Salut Willy, j'ai une petite question, j'aurais aimé savoir comment tu fais pour laisser tes compos en 1000 par clic. Alors, en soi, c'est pas compliqué, regardez, je vais vous montrer. Hop, on va faire des plaques d'acier parce qu'on n'en a jamais trop. Voilà. Hop. En fait, donc là, si jamais je maintiens mage et que j'appuie sur la plaque d'acier, ça m'en fait. On a vu combien? Ça m'en fait 100. Comme vous le voyez. Si jamais je maintiens contrôle, ça m'en fait 10. Donc par clic. Mais si jamais je maintiens mage et contrôle, ça m'en fait 1000 direct. Et ça, c'est plutôt chouette. Bon, ça peut pas m'en faire 10 000, malheureusement. Mais en soi, 1000, c'est toujours pas mal. Alors, qu'est-ce qui a changé dans cette base? Déjà, les modules, vous voyez que maintenant, c'est tous des modules de rendement. Il faut savoir que là, les poubelles fonctionnent plein pot. Et donc, j'ai fait en sorte qu'il y ait uniquement les minerais qui passent sans inclure la pierre. Donc, pour le coup, là, toutes les raffineries, l'intégralité de toutes les raffineries, c'est des modules de rendement. Je pensais pas que j'allais avoir assez d'or, mais finalement, si. Donc, pour le coup, je ne vais absolument pas me plaindre. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que. On va se prendre. Tac, on va virer tout ça. Voilà, parce que ça ne me servira pas à grand-chose. Tac, 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 on va s'en prendre. 250. Alors, oui, la technique du 1000, ça fonctionne aussi pour mettre des choses dans l'inventaire. Regardez. Hop, là, j'en prends 1000. Hop, là, j'en prends 10. Et là, j'en prends 100. Donc, vous voyez, c'est plutôt pratique. Hop, j'utilise souvent ça. Depuis que je sais que ça existe. Hop, voilà, on va s'en prendre comme ça. Et donc on va aller dans le trou. Alors attendez, on va aller dans le trou sous toute réserve quand même. Pof, pof, pof. Hop. Drill, armement, je ne veux pas voir la zone. Et d'ailleurs, je veux que tu les éteignes parce que ça me sert absolument à rien qu'elle soit active. Voilà. Pour l'instant, là-bas, ça creuse pas, ça continuera à creuser, mais ça, je le fais en off. Vous l'avez déjà vu, le système d'éolienne. Tac, 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 tac. Allez, tombe ma grande. Et si possible, sans te casser une jambe ou me casser une jambe, en théorie. Hein. Tac, ah oui, c'est vrai, j'avais mis des tubes de convoyeur renforcés en prime, histoire de quand même. Donc comme vous le voyez, on a un assez grand tunnel. Hop, idem pour ici, hein, parce que forcément, il va me falloir un peu de place, ça paraît logique. Et donc ici, on a un tunnel un peu plus étroit, mais néanmoins, j'aurai toute la place nécessaire pour faire tout ce que je veux. Bonsoir, tu savais qu'il y avait un mode avec les drones des anciens. Oui, je le sais, mais pour le coup, malheureusement, je crois qu'il requiert Weapon Core ce mode. Donc, vu que j'ai pas Weapon Core, je peux pas trop l'utiliser. Mais en soi, oui, je suis au courant. Tac, donc du coup, c'était tac celui-ci.
Hop, c'était de la bonne couleur? Moi, c'était de la bonne couleur, a priori. Tac, ok. Tube de convoyeur renforcé, tu me le mets comme ça, hop. Alors, vous allez me dire, Willy, pourquoi est-ce que tu les tournes, sachant que tous les côtés sont protégés? Comme vous le voyez, ici, en fait, il y a un côté où c'est exposé. Et je ne sais pas si jamais une balle peut passer là, en fait. Donc, du coup, je préfère faire en sorte que le côté exposé soit en dessous. Enfin, c'est peut-être totalement con de ma part, mais en soi, je préfère. Voilà, c'est mon autisme qui parle, écoutez, c'est comme ça. Tac, tac, tac. Faut que j'arrive, ouais, jusqu'ici. Vous voyez qu'ici, j'avais fait la petite marque. À savoir que j'avais creusé légèrement plus, c'était voulu. Hop, les buildings de repair, faut tout construire, rassurez-vous. Je veux pas construire grand-chose, moi. À peu près au milieu, là c'est pas mal. Tac, on va se prendre le tube en T maintenant. Hop. Alors bon, là malheureusement, j'ai pas le choix de le mettre comme ça le tube en T, ce qui fait que la zone exposée est au-dessus. Je sais pas si mais ça change grand-chose, hein, en vérité. Mais bon, hop, pour le coup, faisons ça. Rentre le Big Woody. Mais tu vas la fermer, toi? Ces gens qui sont en plus mes modérateurs, mais qui ne me respectent pas, tu sais. Moi qui n'ai rien demandé, tout ça, non, tout va bien. Vous allez voir, je vous en ferai un mois de système d'armement. Hop, toi tu vires, merci, je t'ai rien demandé. Alors, tac tac tac, hop. Bon alors c'est encore loin. Ah bah putain oui. Décidément, j'ai creusé un peu plus que ce que je pensais en tout cas. Comme vous le voyez au-dessus, j'ai mon petit marqueur GPS qui m'indique à peu près où je suis. Normalement, quand j'arrive à peu près à 50 mètres, je devrais être plus ou moins en dessous. Tiens, bah nickel, regardez. Exactement ce que je vous disais. Alors, maintenant, et c'est là que les choses vont devenir assez intéressantes. J'en enlève deux. Hop, ici. Je mets donc ceci comme ceci. Voilà. Les bulles dans le repère ont pas l'air décidé à construire. Enfin, tu me diras, la zone là, je l'aurais dépassée. Mais là, ils ont pas l'air décidé. Ah, peut-être que ça atteint pas sous terre. Peut-être que je les avais réglés pour être au-dessus de la terre et pas en dessous. Peut-être que je suis un débile mental, ce sont des choses qui arrivent. Alors, moi, ce qui m'intéresse maintenant, hop, c'est de voir. Hop, voilà. C'est de voir parce que pour le coup, il faut savoir que mon système d'armement est quand même relativement balèze. Pas balèze dans le sens où il y a beaucoup d'armes, balèze dans le sens où il est grand, surtout. Donc du coup, j'aimerais essayer quand même de faire en sorte que ce soit sur une zone bien plate, à savoir genre ici, vous voyez. Ici, ça me paraît bien. Attendez, j'ai la mine de cobalt. Où est-ce que je suis? Tu veux éliminer un petit peu de cobalt pour faire mon système d'armes, il fallait. Hein. Je suis désolé, mais j'ai mis des blocs lourds. Forcément, c'est un système d'armes. Il y a un moment, on va pas se mentir, qu'il faut que ce soit le cas. Tac, 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 tac. Ok. Bon, ce que je vais faire, c'est que parce que là, je suis juste en dessous de mon entrée. Si jamais je mets 25 degrés par là, 25 degrés par là, en ajustant peut-être un peu, hein, bien sûr, ça devrait être pas trop mal, je pense. Je sais pas trop. Attendez, ça c'est 46 degrés. Ça c'est à peu près. Pardon, ça c'est 90 degrés, je suis trop con, moi. Ça c'est à peu près 45 degrés. Je me dis que 45 degrés, ce serait peut-être pas un mal finalement. D'accord, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire 45 degrés et pour la suite, on verra. Alors, il va me falloir des charnières, forcément. Tac. Tac, sur les drills. Même si en soi, les drills, j'en aurai besoin juste après. Tac, donc, pour le coup. Alors, petite info que j'ai découvert tout seul comme un grand. Regardez, vous voyez, alors, normalement, je vais essayer de vous le montrer au montage. Vous voyez cette espèce de micro-bitonio rouge là qui est plus ou moins dans le coin. Sachez que c'est ça en fait qui vous permet de voir si jamais toutes les charnières sont dans le bon sens ou pas. Eh oui! Donc pour le coup, faut bien faire attention à ça. Voilà. Si jamais j'ai pensé à vous le montrer si jamais j'ai pensé à vous le montrer au montage. Sinon, je suis juste un sac à merde, vous avez le droit de m'insulter. Tac. Donc ça c'est bon. Et donc là, pour le coup, je sais qu'il faut que je le mette comme ceci. Voilà. Alors, tac tac tac, ce serait pas si mal que je mette un coffre moi ici. Juste un petit conteneur à la con, ce serait bien pratique.
Tac. Histoire de pouvoir récupérer les composants directement de là-haut. Ce serait pas un mal, moi, je dis. Ok. Alors, déjà, ça, et ça. Allez, go. Et en plus, je peux marcher sur mes... Je peux marcher sur mes... comment dire... sur mes convoyeurs, ce qui me fait une sorte de route. C'est pas si mal, en soi. Hop. Allez, on va essayer de rentrer le ventre. Comme on me le dit si bien sur le chat. Parce que visiblement, le chat m'a déjà vu. Ne me demandez pas. Moi non plus, je suis pas au courant. Tac, tac. Et au passage, on va faire en sorte que les drills... que les drills, que les bulles dans le repair, pardon. Fassent le boulot. Alors, ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Tac, 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 tac. C'est donc ici. Hop, montre-la-moi la zone. Parfait. Maintenant, ma grande, tu descends. Un petit peu, hein, soit pas besoin de descendre des masses. Je veux juste que tout soit pris en compte. Hop. Voilà. En théorie, là, tout devrait être pris en compte. Ça devrait se faire plutôt rapidement, je pense. Ouais, c'est bon, ça se fait. Alors là, il n'y a que 3 bulles dans le repair qui sont en action. C'est normal. J'ai pas assez de puissance pour. Ben, parfait. Ouais, j'ai pas besoin de trop rentrer le ventre, hein, ça va, je suis pas si gros quand même. Hein. Tac, tac, tac. Normalement, ça a commencé à construire à partir de là-bas. Ce qui, moi, m'intéresse grandement. Va peut-être falloir que je fasse une zone moi-même. Hein. Hop. Voilà. 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 Alors, comment tu t'appelles, toi? Charnière 2 et charnière simple. Très bien. Tac. Curieux que ça s'appelle que comme ça, mais admettons. Ouais. Ah oui, forcément j'ai une charnière, mais c'est sur une souris, c'est donc logique. Alors, tac, au niveau de la charnière. Hop. Déjà, les deux. Elles ont un couple arraché à un arbre. Couple de freinage à freiner un arbre. La vélocité, pour l'instant, je m'en tape. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Zéro J. Tac, 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 tac. Alors attends, celle-ci, c'est la charnière 2. Je vais la mettre en visu. Voyons voir. Ok, donc toi, là, t'es dans le bon sens. Si jamais je te mets une limite maximale à 45 degrés. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que... Ah bah tiens, on dirait que je vais juste vers le FSC Storage Module. Ça pourrait être une bonne indication. Hop, attendez, je vais essayer de me mettre dans le bon sens. Voilà, pile en fonction. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. En soi, je pense que 45 degrés, c'est pas mal. En tout cas pour celle-ci. Tac 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 pour l'autre, fais voir ce qu'il en est. Tac. La limite maximale à 45 degrés. Inverse-moi ça. Voilà. Et ici donc je vais vers là. Vers là, ça correspond à... Oula. Peut-être un peu rapide quand même. J'ai raté le dernier live, j'ai failli rater celui-là. Mais non, tout va bien, pas de panique. Pas de panique, il reste encore de nombreuses heures de live. À savoir que si jamais ce que je fais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, ou alors c'est pas fini. J'ai encore demain, hein. Demain je travaille pas. Hop, on va voir ce qu'il en est en passant par là. Ah, regardez, vous voyez? En allant par là, pour le coup, c'est un peu juste. C'est un peu juste, c'est un peu juste, parce que... c'est trop juste, faut que je la mette à 50 ou 60 degrés, j'ai pas le choix. Pour celle-là, ça va être délicat, parce que sinon je vais attirer dans les arbres. Et soyons sincères, il n'y a pas grand intérêt à ça. Hop. Tac tac tac. Charnière à 60 degrés. En vrai, je suis totalement con parce que j'ai un moyen bien plus simple de savoir ce qu'il en est. Attendez, bougez pas. Je suis totalement débile, mes excuses. Hop.
juste un débile profond. Je vous rappelle que j'ai un moyen de voir les différentes zones que je vais creuser par la suite. Hop, ça s'appelle des drills. Alors même si jamais les drills vont m'être utiles, pour l'instant, elles vont juste m'être utiles pour voir la zone. Ni plus ni moins. Tac. Voilà. Fais mon 2. Tac. Tilalilala. Tilalilala. Hop. Parfait. J'ai pas assez de. Je peux pas encore me les retirer, c'est pas grave. Oui, j'ai quand même un petit peu de composants sur moi, donc on peut se mentir que c'est un petit peu la baisse quand même. Hop. Bon, bah, que je me fasse un ascenseur. Il y aura un ascenseur, hein, je vous le dis, à base de pistons, etc. Je vous garantis que je vais m'en faire un ascenseur. Aïe. Alors, je peux me la poser là? Ouais, je peux me la poser, pour ta pute. Bon, là par contre, c'est mort. Ok. Très chers amis, je me dégage la zone, le temps que tout ceci se fasse, et je reviens. Donc, à tout de suite. Très bien se passer. Eh bien, très chers amis, donc, comme vous allez le voir tout à l'heure, l'intégralité du système en bas a été construite avec les drills, ce qui me permet de voir où va être mon système d'armement. Donc ici, il sera là, à savoir que le centre du système d'armement va être pile ici, hein, ça va remonter les profondeurs, tout ça. Et donc, idem pour l'autre côté, le système est ici. Donc comme vous le voyez, je suis relativement éloigné. Oui, ça je l'avais tout à l'heure. Je suis relativement éloigné de la montagne parce que mon système est un peu fat. Mon système d'armement est un peu fat. Je me suis fait des grilles métalliques en pagaille. Bon, là c'est un petit peu moins éloigné, mais ça passe. J'ai vérifié. Je me suis fait 28 000 grilles métalliques parce que bah mon système d'armement est bien entendu en blindage lourd. Et pas le choix. À un moment, il faut bien que ça creuse. Faut bien que ça. Enfin, faut bien que ça creuse. Non, justement, faut que ça évite de creuser. Il faut que les ennemis, si jamais ils me bombardent, que ça tienne, tu vois. Donc c'est quelque chose quand même que j'aimerais faire en sorte que ça soit relativement safe. Donc comme vous allez le voir, hop hop hop, voilà. Donc système, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein, là ici j'y ai mis les drills de manière à ce que ça puisse creuser et ça creuse sur une toute petite zone, hop, de manière à ce que je puisse juste y faire passer les convoyeurs. C'est tout. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, ce que je vais faire, c'est que les drills. Alors attends, faut juste que je me revienne de. Faut que je me souvienne de leur nom, c'est tout. Tac, tac, tac. Bon, on drill système 2. M'en fout de son nom après tout. Tac, compensation verticale 0. Voilà, comme ça va creuser pile à la bonne distance. Et donc, nous allons. Alors attendez, on va lancer le travail. C'est bien beau, il faut d'abord que. Faut d'abord que je puisse virer la pierre. Parce que la pierre, j'ai pas envie de la garder, moi. Tac, tac, tac. Ou, de toute façon, vu le peu de quantité de pierre qu'il y a. Attendez. Attendez, faut quand même que je regarde le truc parce que sinon ça va pas le faire. Vu le peu de quantité de pierre que je vais générer, ça devrait pas me boucher mes coffres outre mesure. Parce que normalement, la pierre, si je dis pas de bêtises, elle retourne dans le système là-bas, à savoir dans les raffineries. Minerais, pierre, ferraille, etc. Ouais, c'est bon. Donc ouais, pour le coup, je peux faire en sorte que ça prenne la pierre, c'est pas bien grave. Ça va juste se remettre dans les raffineries. Donc, pas de panique. En soi, c'est pas la mort. Tiens, les raffineries ont fini de raffiner le cobalt que j'allais mettre tout à l'heure ou pas? Ah, a priori, oui. Ce qui fait que là, le cobalt, j'en suis à. Vas-y, fais-moi rire. J'en suis à 134 tonnes. Bon, c'est pas mal. Alors comparé à la pierre, hein. Que là, toute la pierre. De là-bas, là, il y en a une sacoche qui est là-bas, je vous le dis. Hein. Là, la pierre, j'en ai 128 000 tonnes. Autrement dit, bon, ça génère un petit peu, quoi. Et là, donc, bah, évidemment, j'ai remis les drills en action, mais là, bon, tout est pompé par les poubelles, donc je suis pas vraiment inquiet à ce niveau-là. Donc, du coup, hop, puff, 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 on va redescendre. Un jour, je ferai peut-être un ascenseur, même si, bon, ici, à terme, je vais boucher. Aïe, j'ai pas l'intention de laisser ça ouvert, surtout pas comme ça. Parce que si jamais il y a un ennemi qui vient, il va pouvoir s'en donner à cœur joie. Donc on va essayer d'éviter quand même. Tac. Puff, 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 pif, puff, puff. Compensation 0. Voilà. Je vérifie juste avec le mode spectateur que déjà je suis pas dans la bonne zone. Voilà. Je vérifie juste que vous voyez. Donc là, ça va creuser juste en dessous. Et donc moi. Tadam, je serai là. Et donc, idem pour là, ça va creuser juste en dessous. Et moi,
Tada, je serai là. Sachant que c'est à peu près 50 mètres de profondeur. Hein. Donc avant qu'il y ait un ennemi qui arrive à atteindre ça, de 1, j'ai de la marge, et puis de 2, même si jamais il y a un ennemi qui atteint, j'ai juste à reboucher. Bon, en soi, ça va, c'est pas dramatique, dramatique. Ok. De penser à un truc. Je viens de penser à un truc. C'est que c'est bien beau de creuser là et de creuser là, mais à 50 mètres, c'est pas de la pierre, je crois, c'est de la glace. Je vais devenir fou, les gars. Je vous jure, je vais me taper la tête contre les murs. Alors attendez, si jamais c'est de la. Bon, de toute façon, vous savez quoi? Je vais remettre des poubelles. Après tout, c'est pas ce que ça con... c'est pas ce qui consomme le plus. Puis on va pas se mentir, c'est quand même pratique. Alors attendez. Je peux sortir de mon pays là? Ouais, c'est bon, merci. Tac 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 tac. Alors, ce que je vais faire, c'est que. Voilà. Les poubelles. On va s'en prendre 5, ça devrait aller, je pense. Tac, on va se les mettre. Déjà, on va se prendre les composants. Hop. Impossible de retirer machin truc chouette, mes couilles, Zébé. Zébé, amuse-toi avec ta soeur en Alaska. Ok. Tac, 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 tac. Voilà. Parce qu'il faut quand même penser à la récolte aussi. Hein. J'ai besoin de. Besoin de. Ah, j'ai plus d'hydrogène. Être obligé de marcher un petit peu, c'est pas grave, c'est la chose qui arrive. Voilà. Hop. Du coup, les poubelles, normalement, elles sont pas renommées contrairement aux autres. Hein. Contrairement à rien du tout. Ouais. Poubelle 15, 16, 17, 18, 19. Ok. De 15 à 19. Ça devrait être relativement facile à faire. Hop. De 15 à 19. Tout vider. On. Allez, maintenant, il faut juste que je le configure tout à la main. Alors, oui, j'allais faire une connerie, surtout pas. Tac, tac, tac. Il me faut la pierre et la glace partout. Tac. Tac. Alors vous allez me dire, ouais. Mais Willy, tu pourrais garder la glace. Oui, je pourrais, mais cela dit, actuellement, j'ai un système d'hydrogène qui n'est pas actif, je vous rappelle. Hop, j'ai entendu un bruit, ça m'inquiète. Qu'est-ce que c'est que ton bruit à la con là? Ah, c'est un Stormfire. Oui, mais ça va, il passe loin. J'ai déjà le bruit de tout à l'heure, c'est pour ça que je m'en inquiétais pas plus que ça, mais bon, je préfère vérifier quand même. Hein. On sait jamais. Tout vidé on, liste blanche, glace, pierre. Ok, hop, on va faire la même ici. Pierre, tac. Et la glace ici. Taille, taille, taille. Liste blanche. La glace et la pierre, voilà, on y est presque, les gars, on y est presque, je vous rassure. Rassure-moi, t'es au courant que les tourelles ne marchent pas sous terre pour viser les ennemis? Non, c'est vrai? T'es sérieux? Ça peut pas démonter la pierre enfin, je veux dire, ça peut pas passer à travers la pierre? Oh, évidemment que je suis au courant, bien sûr. Les armes, elles sont à la surface. C'est uniquement le système pour les approvisionner qui sera souterrain. Bien sûr que je suis au courant. Non mais je sais que j'ai l'air con, hein, mais c'est qu'une apparence. Hein. Merde, quel con, j'ai plus d'hydrogène. Je sais que j'ai l'air con, mais c'est qu'une apparence, dit-il en bouffant inutilement son hydrogène. Alors attendez, on va aller chercher ça. Pas de panique, pas de panique. Tu assures pas une cacahuète sur ce coup-là. Comment ça, j'assure pas une cacahuète? Tu rigoles ou quoi? Oh, attends. Je me fais chier à faire un système du feu de Dieu. De manière à ce que je sois emmerdé avec rien ni quoi que ce soit, et on me dit que j'assure pas une cacahuète. Je suis extrêmement vexé. Bah, elle est où ma marche? Hé! Hey. D'accord, j'ai plus de marche. Dis-moi que j'ai. Oui, c'est quand même. J'ai perdu ma marche. Très bien, c'est la chose qui arrive. Non mais. Faut que je me mette ma marche. Bon, ma marche. Un petit peu à la rachasse. C'est une marche. Hop,
Hop, voilà, ça c'est fait. Non, ça j'assure pas une cacahuète, moi. Je te dis que j'assure. Non, mais. Faites de l'hydrogène avec la glace et des moteurs pour du courant. En soi, je pourrais, je te l'accorde. Mais pour le coup. J'ai décidé que je serais. J'ai décidé que j'aurais de l'énergie uniquement avec des éoliennes, bordel. Je sais, je suis con, je pourrais faire ça avec des moteurs. Tiens, d'ailleurs, juste pour info. Bon, merde, à marcher. Juste pour info, vas-y, fais-moi plaisir. Hop. Un moteur à hydrogène, vas-y, montre-moi combien ça produit en puissance. Fais-moi rire, mon petit. Attends, on va voir ça. Impossible de placer moteur de. Mais cool, comment ça, je peux impossible de le placer, il va te faire mettre. Hop. Attendez, on va voir ce que. Ça fait depuis 3 lives qu'on me dit ouais, il y a ça des moteurs à hydrogène, nanani, nanani. Et fais voir combien ça produit en courant, fais-moi rire. Ça produit. Ça produit. Production max 5 mégawatts. C'est tout. Je préfère encore rester avec mes éoliennes. Hein. Mais attendez. Production max 5 mégawatts. Vous vous rendez bien compte que 10 éoliennes, ça produit le même effet? Ou. Non, vraiment, hein, je suis désolé, c'est pas rentable. C'est pas rentable du tout, même. Je préfère encore utiliser les éoliennes. Attendez, 10 éoliennes, ça produit la même chose. Non, non, à un moment, les gars, quand même. Je voulais faire quoi, moi? Oui, ça va, des convoyeurs. Tac. Sans déconner, quoi, les gars. Et ça prend plus de place aussi. Oui, c'est vrai que ça prend plus de. Bah, ça prend plus de place qu'une éolienne. Non, ça pourrait en prendre vachement moins parce que les. C'est pas soumis. Comment dire? C'est pas soumis au fait qu'il y a des. Oh, puis mes couilles. Hop. C'est pas soumis au fait que je dois laisser des blocs, tout ça. Donc, non, non, ça en prend beaucoup moins une place. Mais enfin, quand même, c'est pas rentable, les gars. Désolé, je préfère encore rester avec mon hydraulique, avec mon éolienne. C'est surtout pour pas perdre la glace. Oui, mais la glace, faut d'abord la transformer en hydrogène. Je crois pas que ça, le moteur, elle le fasse tout seul. Si? Attends. Attendez, parce que. On me pose des questions, je ne sais y répondre, ça m'énerve. Attendez. Hop. De manière, j'ai pas de quoi de stocker l'énergie, donc ce serait de la pure perte. Hop. Voilà, fuis, nuit de merde. Attendez, j'ai pas de quoi stocker la puissance, donc de toute manière, ça me servirait pas à grand chose. Mais pour mon info personnelle et pour éviter de mourir, Rio, on va voir ce qu'il en est. Donne-moi un petit peu de place. Voilà, juste un tout petit peu. On va voir ce qu'il en est. Ça coûte pas cher à faire l'hydrogène. Non, mais je sais que ça coûte pas cher, j'ai un système qui est là. C'est pas une question que ça coûte cher. Ouais, et puis, mes couilles, j'ai pas envie de m'emmerder. Avec tout ça, donc laisse-moi te dire que je ne m'emmerderai pas avec tout ça. Alors, en soi, si jamais j'avais des batteries, peut-être que je le ferais. Mais là, j'ai pas de batterie et il me faut de l'armement parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Hein. Si jamais j'avais des batteries, bon. Potentiellement, je pourrais le stocker. Mais là, j'ai pas de batterie, c'est chiant à faire, c'est long à faire, et je sais pas encore où les mettre. Donc, tant pis, la glace, ce sera de la pure perte, et puis c'est tout. De toute façon, la glace, c'est pas ce qui manque dans ce jeu. Hop. Là. Tac, tac, tac. Allez, creuse ma grande. Tac, tac, tac. Allez, creuse ma grande. Je réfléchis juste que c'est pas en train de creuser. Non, c'est ça. Pour passer sur vertical 0. On est bien d'accord. Non, mais je préfère m'assurer. Donc, non, ça a l'air de prendre de la pierre. Ah, c'est ça, ça prend que de la pierre. Donc, à 50 mètres, a priori, c'est pas de la. À 50 mètres de profondeur, a priori, c'est pas de la glace, c'est de la pierre. Bah, dans ce cas. Les batteries pour les supports d'éoliennes, oui, oui. On verra ça quand on y sera. Pour le moment, on n'y est pas.
Et en soi, j'ai prévu d'en faire des batteries, mais j'ai tellement de trucs à gérer en même temps. Les ennemis qui me tombent sur la gueule, il me faut le système d'alarme en priorité. Pour l'instant, les batteries, je m'en tape. J'ai suffisamment d'énergie actuellement. Quand je viendrai à en manquer, bon voilà, sachant que je suis en train d'étendre mon système énergétique. Donc, oui, les batteries sont utiles. Mais pour l'instant, j'ai autre chose à gérer, autre chose de bien plus grave, telle que mon extermination imminente. Bien entendu. Trois lives qu'on le veut l'armement. Eh bah c'est bon, vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir, vous inquiétez pas. Allez, très chers amis, j'espère que cet épisode d'Espèce Génère vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Jusqu'ici, portez-vous bien. Et à la prochaine. Et du coup, ce trou? Ce trou est-il bouché? Oh fuck, ce trou n'est pas bouché. Je crois que je vais installer un mode pour que ce soit plus rapide, hein. Parce que sinon, je peux m'en sortir, moi. Ah mon dieu.